La genèse de ce projet remonte à il y a 3 ans avec une rencontre que j'ai eue avec Darlene Jérôme, cette musicienne, artiste, passeur de mémoire d'origine Mi'kmaq. Lors de cette première rencontre, nous avons d'ores et déjà commencé à discuter de sa vision du monde et de la musique et comment la nature était omniprésente dans sa vie quotidienne et aussi dans ses chants. Nous avons commencé à discuter de tous ces éléments de la nature qui peuvent se refléter dans la musique. Les sons d'un aile d'oiseau, des chants d'oiseaux, un poisson qui passe dans l'eau, le souffle humain aussi. À ce moment-là, nous avons commencé à faire de la musique ensemble, une sorte de dialogue. Elle chantait et moi, je recomposais la musique en réponse à ce qu'elle me chantait. Pour pousser plus loin encore cette recherche de sonorité et de musicalité chez les peuples autochtones, j'ai décidé d'inviter Mongonol, un artiste touvain. Le peuple touvain étant ces Turcs de la Sibérie, un peuple nomade aussi, donc les autochtones d'Asie, spécialisés dans les chants diphoniques. Avec Mongonol, les mêmes concepts qu'on avait discuté avec Darlene ont rejailli aussi. Ces sons de la nature qui se transmettent dans les chants, ce rapport fragile de l'homme avec la nature et avec sa musique. À ces rencontres s'est rajouté le ney de Qianouche, cette flûte en roseau dont plusieurs légendes d'Asie disent que c'est l'instrument le plus ancien. Donc la légende dit c'est le vent qui soufflait dans les champs de roseaux et qui produisait un son magique qui enivrait l'homme. Alors l'homme a décidé de couper ses roseaux et souffler dedans et produire un son qui à son tour enivrait les autres. Ces trois éléments se sont invités au cercle de Constantinople, déjà composé de Pierre-Yves Martel à la contrebasse, Patrick Graham aux multiples percussions, Didem Bachar avec son magnifique kanoun, moi-même au setar et le chant avec les poèmes en persan que je chante en réponse aux textes et aux poèmes de Mongonul et de Darlene. Je m'appelle Kia Tabassian. Je vous invite à regarder et écouter le concert Souffle de Constantinople, présenté le 21 février 2020 à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Oh.
yan thang dam a ho a ho i e gur shau dan jor tom ju bei e a ho i e ri ho yo sa gat ke me a ho a ho i e gur shau dan
Thank you.
عزیزم از من عزیزم
Thank you.
Thank you.
Ah, hey, oh,
받은 기겐 살지 자라 실승마다 사가시 강간 군대에게 이대 살지 자라 실승마다 사가시 강간 군대에게 Yeah.
Dieu.